Soyez les bienvenus sur Africa 24 pour ce nouveau décryptage. La 47e Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines s'est tenue du 8 au 10 novembre 2015 à Brazzaville au Congo. Plusieurs centaines d'acteurs du secteur aérien ont assisté à cet événement pour l'ouverture effective du ciel africain et la promotion à des partenariats entre compagnies aériennes. Thierry Ngongan et Olivier Diakoton ont rencontré la directrice générale de la compagnie congolaise Équerre et présidente en exercice de l'AFRA. Fatima Benida Moussa dresse le bilan de cette rencontre et nous parle des perspectives d'Équerre. Pouvez-vous nous dresser le bilan de cette 47e conférence de l'AFRA? Le bilan de cette conférence, c'est que les compagnies aériennes africaines et tous les intervenants, toutes les parties prenantes du secteur de l'aviation en Afrique se rendent compte que la libéralisation du ciel africain doit devenir une réalité très très rapidement. Il faut que le ciel africain soit ouvert, que ça soit facile d'opérer des vols en Afrique et qu'on ne soit pas bloqué toujours par des accords bilatéraux qu'il faut demander à un État parce que ce n'est pas votre pays, etc. Si on arrive à avoir un marché unique du ciel en Afrique, ça sera facile pour nous de prendre avantage de toutes les possibilités encore qu'offre ce marché. Le marché est sous-exploité. Il est sous-exploité, les compagnies aériennes peuvent faire beaucoup plus. La demande est là. C'est un continent où il y a encore vraiment de la place pour la croissance du transport aérien. Cela fait plus de 15 ans que les accords de Yamoussoukro qui prévoient l'ouverture du ciel africain existent, sont vraiment être appliqués. Pensez-vous que cela va enfin devenir effectif? Mais là, il y a un frémissement parce qu'en début d'année, il y a 11 pays africains qui se sont engagés à ce que la libéralisation du ciel africain devienne une réalité dans leur pays dès 2017, dès début 2017. Donc le challenge maintenant, c'est d'encourager d'autres pays à emboîter le pas à ces 11 pays pionniers pour qu'on arrive à une situation où partout en Afrique, on va pouvoir circuler. Maintenant que 11 pays se sont décidés, nous sommes quand même relativement positifs sur le fait que au prochain sommet de l'Union africaine, d'autres pays vont s'engager encore. Sera-t-il facile pour les compagnies africaines de pouvoir allier la coopération en étant en compétition? Regardez le secteur de l'aviation dans le reste du monde. Vous voyez bien qu'il y a de grandes compagnies qui se font une concurrence même féroce parfois. Mais en même temps, elles entrent ensemble dans des alliances, elles ont des accords commerciaux qui leur permettent d'échanger, de travailler en synergie. Il n'y a aucune raison pour que les compagnies aériennes africaines ne fassent pas de même. Et nous, on est décidé, on a beaucoup parlé de coopération pendant les assises de l'AFRA, et les contacts sont devenus de plus en plus forts entre compagnies aériennes pour trouver des voies et moyens pragmatiques de travailler ensemble. En marge de l'Assemblée générale, vous avez annoncé l'existence d'un nouvel accord de coopération entre Équerre et Kenya Airways. De quoi s'agira-t-il exactement? C'est sur plusieurs volets. On a parlé, le DG de Kenya Airways et moi-même, et on a fait, on s'est rencontré nos équipes et on a estimé qu'il n'y avait pas de raison pour qu'on ne coopère pas. Et qu'on pouvait, il y avait des synergies qu'on pouvait trouver sur l'accompagnement opérationnel, sur la mise en ligne des avions, aussi des accords commerciaux sur des code shares ou des interlines entre sur nos différentes lignes. On peut simplement aussi aligner nos horaires pour que quand un vol Équerre arrive quelque part, les passagers puissent prendre des vols Kenya Airways pour continuer vers leur destination finale. Il y a beaucoup de moyens de coopérer, mais il faut qu'on en ait la volonté. Et là, tous les deux, vraiment, on a la volonté de le faire. Le cours du carburant est l'un des postes les plus importants en termes de charges fixes pour les compagnies africaines. Pensez-vous qu'il puisse y avoir des solutions afin de le voir baisser? On a par exemple un mécanisme avec l'AFRA qui nous permet de se mettre ensemble pour acheter des quantités de fuel plus importantes et ainsi bénéficier de réductions de tarifs sur différents aéroports africains. Ça, c'est un mécanisme qui existe et plusieurs compagnies en font partie au sein d'AFRA. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, on peut aussi continuer à faire du lobbying auprès des gouvernements pour qu'ils voient la question de la tarification du fuel, du jet fuel dans les aéroports africains.